Bonjour à tous, c'est Monsieur le B12. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire, c'est-à-dire la chaîne Monsieur le B12 Coaching. Aujourd'hui, je vais un peu m'intéresser aux personnes qui ont la possibilité d'aller en salle de muscu ou qui possèdent chez eux une machine permettant de faire de la musculation, un banc développé couché par exemple. C'est mon cas, j'ai la chance d'avoir un banc de développé couché assez complet. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on calcule son max. C'est la charge maximale que l'on peut soulever une seule fois. Donc c'est très intéressant de connaître cette charge-là, parce que du coup, ça va vous permettre de connaître le poids qu'il est nécessaire de soulever, et le nombre de fois qu'il faut le faire, et le nombre de séries qu'il faut réaliser, afin soit de se muscler, soit de sécher, c'est-à-dire d'avoir le muscle le plus sec possible, on va enlever le gras justement, ou sinon la possibilité de travailler la force. Donc selon le domaine, vous ne devrez pas porter la même charge et vous ne devrez pas porter le même nombre de fois cette charge-là. Et du coup, le nombre de séries ne sera pas la même, ne seront pas les mêmes, excusez-moi. Donc comment on calcule le max, ça va être vraiment la séance d'aujourd'hui. Alors, avant toute chose, lorsque l'on décide de calculer son max, on ne doit jamais le faire dans là ou les premières séances, c'est-à-dire au début, surtout pour ceux qui n'ont jamais fait de musculation, il faut vraiment se préoccuper à essayer de se renforcer musculairement. Ça ne sert à rien d'arriver en salle et se dire « Allez, je vais taper une barre lourde, je vais te calculer mon max. » Non, ce n'est pas bon du tout, c'est même limite dangereux. Vous risquez de vous blesser. Donc moi, je vous conseille de faire pendant une semaine ou deux du renforcement musculaire. Donc ça, on en parlera un peu plus tard pendant les prochaines séances, mais faire du renforcement musculaire de manière à préparer vos muscles à l'effort. Donc là, en l'occurrence, avant toute chose, vous ne direz pas sur la machine, parce que moi, je vais le faire sur du développé couché, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel autre groupe musculaire et n'importe quel autre exercice. Avant toute chose, il faut bien s'échauffer. Effectivement, vous allez assez rapidement vous retrouver avec des charges très lourdes à porter, donc il faut vraiment s'échauffer aussi bien au niveau des articulations que au niveau du cardio. C'est important, en fait, le fait de faire un petit peu de cardio, on va faire 15 minutes de cardio, le fait de faire 15 minutes de cardio, ça va vous permettre de, on va dire, chauffer la machine. Donc avant toute chose, moi aujourd'hui ça va être les pecs avec le développé couché, donc important de bien échauffer les bras, donc afin que vous ne soyez pas blessé lorsque vous allez justement atteindre des barres très très lourdes. Donc vous faites des élévations comme ceci, et voilà, vous faites vraiment vous faites vraiment des mouvements qui permettent vraiment d'échauffer surtout les articulations, disons l'articulation des épaules. C'est vraiment très important. Aussi au niveau des coudes. Donc vraiment, au niveau des coudes, c'est vraiment très important de bien échauffer les coudes parce que en développé couché, ils vont vraiment être mis à rude épreuve, ainsi que les poignets aussi. Les poignets, on va y venir un peu plus tard. Mais c'est vraiment important d'avoir un bon échauffement au niveau des poignets parce que je ne vous apprends rien. Lorsque vous faites du développé couché, la barre repose sur vos poignets. D'ailleurs, les personnes qui font beaucoup de musculation, quand ils font des rotations de poignets, ils ont tendance à avoir les mains qui craquent. Je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais en fin de compte, vous voyez que mes poignets sont quand même assez abîmés à cause du développé couché, surtout que c'est l'un des exercices que je préfère. Donc voilà, maintenant faites aussi un peu de mouvement au niveau des doigts, histoire de ne pas se crisper. Donc une fois que vous avez fait ça, vous êtes bien échauffé au niveau des bras. Vous faites 15 minutes d'elliptique. Disons d'elliptique, j'ai elliptique, mais vous pouvez faire de l'elliptique comme vous ferez de la course ou du rameur. C'est même limite mieux de faire du rameur. Bon, moi, je dispose d'un elliptique, donc je fais de l'elliptique. Si vous avez la possibilité de faire du rameur, c'est même limite plus intéressant de faire du rameur. En tout cas, je parle si vous êtes amené à calculer votre max au niveau, votre max au niveau du développé couché. C'est plus intéressant de travailler le haut du corps. Donc on ne va pas faire les 15 minutes, je ne vais pas me filmer pendant 15 minutes en train de m'échauffer sur l'elliptique, ce n'est pas intéressant pour vous. Mais par contre, ce que je peux vous dire, je prépare une vidéo qui sera vraiment orientée
sur les vélos elliptiques. Donc les vélos elliptiques, c'est ce que je suis en train de pratiquer. C'est un exercice qui est vraiment très intéressant et qui va me permettre de vous proposer quelques petits exercices, mais aussi je vais vous démontrer l'intérêt et les inconvénients de pratiquer ce genre d'exercice. Donc la prochaine vidéo, disons une prochaine vidéo, parlera du vélo elliptique. Pas facile de parler aussi fort en même temps qu'on est en train de pratiquer. Donc voilà, très important de bien s'échauffer avant de, comme dirait une certaine personne, aller porter des objets lourds. Oui, il faut savoir que ma sœur, quand elle saute ma gueule, quand je fais de la muscu, elle me dit « Allez, vas-y, va porter des objets lourds. » Donc, avant d'aller porter des objets lourds, il faut bien s'échauffer. D'ailleurs, vous voyez, je commence à suer. Je ne sais pas si vous êtes nombreux à avoir tendance à bien éliminer comme moi, mais en tout cas, moi, dès que je commence à faire le moindre exercice physique, j'ai tendance déjà à commencer à suer. Bon, c'est pas pour autant que je pue, hein. Attention. Bon, ça fait combien de temps? Bon, on va pas faire les 15 minutes, hein. Mais faites-moi confiance, je vais couper la vidéo, mais j'aurai continué les 10 dernières minutes. On vient de terminer les 15 minutes d'elliptique. Comme je vous l'ai dit, autant vous pouvez faire de l'elliptique comme de la course à pied ou du rameur. L'important, c'est d'échauffer la machine. Donc on va commencer par faire, donc comme je l'ai dit, je le répète, moi j'ai décidé de le faire pour le développé couché, mais vous pouvez aussi bien le faire pour tout autre exercice que vous voulez calculer votre max au niveau des épaules, des bras, des cuisses. C'est toujours le même principe. Donc, avant toute chose, vous entraînez avec une barre à vide, sachant que vous avez pu vous remarquer que sur mon banc de muscu, le tout est guidé. C'est-à-dire que j'ai la possibilité soit d'enlever la barre et la mettre sur les crochets qui sont ici. Mais vu que je vais quand même porter très lourd, je vous conseille soit de travailler sur une machine guidée, soit de travailler avec quelqu'un. Parce que c'est vraiment très dangereux de rester bloqué sur une barre qui pèse 100 kg. J'ai vu des personnes qui sont vraiment, honnêtement, vraiment pas passées loin de la mort. Donc faites vraiment attention. Lorsque vous calculez un max, obligatoirement, vous avez soit quelqu'un pour vous aider, soit vous avez ce système-là de barre guidée. Alors, on va commencer avec une barre à vide. Donc, histoire de bien échauffer les bras. Soufflez bien entre chaque répétition. Ce que je vais faire moi aujourd'hui, c'est que je vais commencer déjà à une charge assez avancée parce que je fais quand même déjà pas mal de muscu déjà depuis un certain temps et surtout je connais à peu près mon max, donc ça sert à rien que je commence de 5 en 5 ou de 10 en 10. Je vais commencer déjà directement à une certaine charge. Bon, je vais pas non plus aller directement à 70 ou 80, mais il est nécessaire de commencer vraiment progressivement, surtout pour ceux qui commencent. Si c'est la première fois que vous calculez votre max, allez de 5 en 5. Mais n'allez vraiment pas directement vous charger à 40 kg parce que ça peut être problématique, surtout si vous n'êtes pas équilibré et surtout si vous ne disposez pas d'une machine vous permettant d'être guidé. Donc allez, je vais commencer avec deux poids de 10 de chaque côté. Donc, on va commencer donc deux poids de 10 de chaque côté, ça fait déjà 40 kg en tout, plus la barre qui est à peu près à 20 kg, ça fait déjà 60. La seule chose à faire, c'est vous faites une rep, si ça passe vous augmentez, si vous luttez ça voudrait dire que vous rapprochez de votre max. Allez,
On est parti pour la première répétition. Voilà, vous avez vu, ça passe à l'aise. Donc, moi, ce que je vous conseille, quand vous commencez comme ça, ensuite, vous rajoutez 5 kilos. Bon, moi, en l'occurrence, je vais rajouter 10. Voilà, je rajoute 10 de chaque côté. Donc maintenant, nous sommes à 80 kilos. Donc déjà, 80 kilos, c'est une bonne barre. Hein. Donc vraiment, je me suis cogné. Allez, on est parti. Une deuxième chose, si vous commencez la musculation, je vous conseille toujours de remonter vos jambes. Pour les personnes qui ont l'habitude, qui sont expérimentées, on a l'habitude de poser nos pieds au sol parce qu'on veut se stabiliser du fait des lourdes barres. Mais lorsque l'on commence, il est vraiment préconisé de remonter ses jambes, soit de les mettre sur un step, soit de les remettre carrément sur le banc, sur le banc, de manière à avoir le dos le plus plat possible. Parce que en ayant cette position-là comme j'ai en ce moment, quand on n'est pas, on va dire, un minimum expérimenté, on risque de se blesser au niveau du dos parce qu'il est très cambré. Mais bon, la plupart des personnes qui ont l'habitude de faire du développé couché ont très souvent cette position-là, mais parce qu'ils ont l'habitude. Donc quand vous commencez, relevez vos jambes, ça vous permettra de ne pas vous blesser. Allez, on est parti pour cette répétition-là. Allez, allez passer à l'aise. Donc je rajoute une nouvelle fois 10. Donc vous avez vu, hein, c'est tout simple. C'est tout simple de calculer son max. Il faut simplement estimer le poids que vous pouvez relever une seule fois. Maintenant, nous sommes à environ 100 kg. Donc là, ça commence à être une bonne barre, même pour moi. Donc vraiment, on fait attention. On ne travaille pas seul, je le répète. On travaille accompagné de quelqu'un qui pourrait vous aider si vous êtes en galère. Ou sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez ce système de barre guidée. Voilà. Donc là, ça passe encore facilement. On va rajouter une dernière fois 10. Après, on va commencer à ajouter 5 en 5 pour vraiment affiner le calcul. Donc là, je vais mettre 2 5 de chaque côté. Sachant qu'en plus, moi, dans cette salle de musculation-là, donc dans cette pièce que je réserve à la musculation, on va dire que je suis un peu limité en termes de poids. J'aurais préféré peut-être avoir plus de poids de 10, parce que j'ai beaucoup de poids de 5, mais du coup, au niveau de la place sur la barre, c'est pas énorme. Donc là, maintenant, nous avons 5, 10, n'importe quoi, 10, 20, 30, 40, 50. On a 50 de chaque côté. Donc, nous sommes à environ 120 kg avec la barre. Alors 120, là ça commence à être une bonne barre, on fait vraiment attention, surtout, on ne relâche pas la barre d'un coup, et ce qui est très important aussi, j'ai oublié de le stipuler, on redescend bien la barre jusqu'au bout, on touche le plexus et on remonte, le tout en soufflant. Allez, c'est parti. Oh. Donc voilà, là c'était une barre à 120. Maintenant, je ne vais pas faire le caïd, je vais juste rajouter 5 kg à chaque fois. De manière à ne pas prendre de risque. Donc maintenant, nous allons être à 130 kg. Et normalement, mon max, il tourne autour des 130-135 kg. Donc normalement, cette barre-là, elle devrait passer, on va dire, assez facilement. Mais après, je risque de lutter à 130, je pense 135. D'ailleurs, vu que ça fait un moment que je n'ai pas fait de développé couché, je ne vais pas faire le malin à vouloir tenter une barre beaucoup trop lourde. Je pense que je vais m'arrêter à 135 kg. Alors, une petite barre à 130. Vous m'encouragez un petit peu. Allez, c'est parti. Donc comme vous avez pu voir, là ça a été quand même plus dur,
Ça veut dire que je me rapproche de mon max. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le max, c'est la charge maximale qu'on peut soulever qu'une seule fois. Là, par exemple, je pense que si j'avais essayé de la soulever une deuxième fois, j'aurais peut-être réussi, mais avec du mal. Donc là, on va vraiment essayer de rechercher le poids que je suis capable de soulever qu'une seule fois. Donc là, je rajoute 2 ici, 2 là, et je vais récupérer 2 poids qui sont là. Donc là, maintenant, nous sommes à, donc j'ai dit tout à l'heure, 130, 140, 138 et 138, d'accord? D'ailleurs, c'est peut-être un peu trop, mais j'ai pas de poids de 1. Bon, on va dire, bah, allez, on va dire 100, 138. Allez, on est parti. Au pire, de toute façon, si vous voyez que d'un coup, la caméra se coupe, c'est que mon caméraman sera appelé à la rescousse. D'accord, caméraman? Non, je rigole. Ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Oh. Allez. C'est là, on cherche le poids que je suis capable de soulever une seule fois. Je pense que ça va être cette barre-là. Allez, c'est parti. Oh. Voilà, vous avez vu, bon, ça monte encore, mais vous avez vu que là, ça a été vraiment assez difficile pour moi, j'ai quand même eu du mal. Si vraiment je voulais affiner, j'aurais peut-être mis un poids, de 1 de chaque côté pour vraiment avoir mon poids max. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je suis tout seul, même si j'ai le banc développé couché avec barre guidée, ça me donne une sécurité en plus, mais... On va dire que je ne vais pas tenter le diable. Donc, pour moi, ce soir, on va dire que mon max, il est à 138 kg. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce poids? Alors, il faut savoir une chose, et là, je le marquerai sur ma vidéo, de manière à ce que vous l'ayez en visuel. Lorsque l'on veut travailler la force, il faut faire environ 3, 4... Non, le plus simple, ça ne sert à rien que je vous bassine avec des chiffres, vous n'allez rien retenir. Je vous écrirai tout ça dans la description, mais aussi en sous-titre dans la vidéo, afin que vous puissiez justement avoir les chiffres et ça va vous permettre d'avoir un visuel. Alors, juste, je vais vous donner quelques petites indications comme ça. Pour faire de la masse, ce qui est en général le plus intéressant et qui est recherché par la plupart des pratiquants en musculation, il faut faire soit 4 séries de 10 à 75 ou 80% de son max. Donc vous voyez, c'est des chiffres, c'est un peu limite chiant, mais voilà, c'est si vous êtes dans ce genre de format là, ou sinon vous faites du 5 de c'est soit 5 de 10, 4 de 12 ou 8 de 6 de 8. Ça, c'est les formats qui vous permettent de faire justement de la masse musculaire, donc du développé. Si vous, par contre, vous voulez faire de la force, ça sera des séries beaucoup plus courtes, mais à 90, voire 95% de son max. Donc, pour calculer le poids, c'est simple, vous faites une simple opération. Ça, pareil, je vous mettrai un exemple de manière à ce que vous puissiez calculer ça assez facilement chez vous. Et par contre, si vous voulez faire de l'endurance, si vous voulez sécher, ça sera des grosses séries, des séries de 35-40 répétitions, et vous en ferez 6 à 8. Donc 6 à 8 séries de 35 à 40 répétitions avec un poids qui s'avoisine à 40, 45, voire 50% de son max. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez pu voir que le calcul de son max peut être intéressant déjà pour connaître le poids que l'on doit soulever pour être dans l'un des trois domaines qui nous intéressent, mais aussi pour une dernière raison. C'est toujours plaisant de voir sa progression. Par exemple, si vous calculez votre max en début d'entraînement, c'est-à-dire lorsque vous commencez la musculation, votre max, il est, on va dire, allez, à 40 ou 50. Et bah, dans 2-3 mois, quand vous recalculerez une nouvelle fois votre max, de voir que cette fois-ci, il sera à 60 ou 70, ça vous permet de jauger un peu vos progressions. Et ça, c'est toujours plaisant.
Donc voilà, vous avez pu voir aujourd'hui comment on calcule son max, en musculation. La semaine prochaine, je vous proposerai une vidéo qui parlera justement de l'elliptique et tous les intérêts que peut concentrer justement un appareil comme celui-ci. Et déjà, je peux vous dire déjà premièrement que ça vous permet de faire du sport l'hiver. C'est quand même un gros intérêt lorsque l'on veut aller courir, les personnes qui adorent aller courir, lorsqu'on voulait aller courir et qu'il fait super froid dehors, ça démotive un petit peu. Donc c'est vrai que d'avoir un elliptique comme ça à la maison, ça peut vous permettre de faire votre sport tout en étant à la maison, au chaud. Donc ça, c'est l'un des intérêts que je vais justement développer lors de ma prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.